C'est un événement pour lequel nous nous retrouvons ici au fronton mur à gauche Place Sabéry de Biarritz. C'est un lieu mythique et nous allons assister à la première partie d'un tournoi inédit. C'est un tournoi de pala larga, c'est une spécialité qui est disputée que par des professionnels. La pala, c'est de l'autre côté de la frontière. La DAN a fait un boulot incroyable. Et c'est pas qu'une date, ça en est quatre en plus. J'ai à cœur de regrouper aujourd'hui les meilleurs joueurs internationaux de pala larga. Los partidos van a ser difíciles, este se ha ganado por la mínima y ahora intentar ganar el siguiente para estar en la gran final, porque es un torneo la verdad que muy bonito, nos ha acompañado mucho la gente. Estamos con los mejores jugadores del mundo, hoy me toca jugar un partido muy difícil contra Nicole y contra Breffel, son los últimos campeones del mundo, pero bueno, yo vengo jugando a la disciplina, me vengo asentando muy bien, estoy creciendo en mi nivel y bueno, intentaremos dar el batacazo, intentar ganar a una de las mejores parejas del mundo, o la mejor. On est tombé sur une belle équipe, faut savoir le dire, et surtout l'arrière, Iñaki, Rutia. Il a fait une très grosse partie, il a été constant toute la partie. Nous sommes la pareja más jóvenes, seguramente la menos favorita para ganar, pero bueno, hemos demostrado que estamos aquí para dar guerra, que podemos ganar a cualquiera si jugamos bien. Deuxième session de cette Palador dans ce magnifique Rayalay d'Osegor. Rappelons que ce lieu est destiné à la Cesta Punta. Sur des longueurs comme 54 mètres, il va falloir avoir du bras quand même. Hein. Logiquement, ils ont dominé du début à la fin leurs adversaires. On a fait la différence parce qu'on est puissant avec Sylvain et aujourd'hui on a gagné parce qu'on a joué en équipe et on commence à se retrouver. Para mí Pablo es mi mayor ídolo, poder jugar en contra de él es un placer gigante. Tener 22 años y meterme contra los mejores jugadores del mundo, la verdad que es una gratificación muy grande para mí, pero con muchas ganas de ganar y muy contento de estar en la final del Pala de Oro, que es uno de los mejores torneos del mundo. Bienvenue à Saint-Jean-de-Maurienne pour la troisième étape de la Palador. Maldonado Urrutia qui ont déjà validé leur billet pour la finale du 5 août. Ils vont affronter Esteban Gaubeka et Imanol qui, eux, malheureusement, resteront à quai. Carton orange, le voici. Esteban qui va en prison, c'est la grande fin de l'histoire. Hein. Allez, Imanol. Manol qui va jouer le point tout seul. C'est tout à fait logiquement qu'il remporte cette partie et qu'il s'octroie la première place de groupe. Ces deux équipes ont déjà remporté deux victoires dans le tournoi et ce sera donc une véritable demi-finale puisque le vainqueur sera qualifié et rejoindra l'équipe de Roman Maldonado et Iñaki Urrutia. Thank you.
Une qualification pour la finale de la Palle d'Or pour la paire française. Bienvenue à Seignos, un rendez-vous assez exceptionnel. Nous allons assister d'abord à la petite finale, troisième et quatrième place, et ensuite à la grande finale. Pablo conclut. Donc victoire de Pablo Fusco et Dai Pérez pour cette troisième place. La première journée, c'était exactement les mêmes équipes qui s'affrontaient. Donc on a ça en finale. On avait peut-être sous-estimé un peu les jeunes Urrutia et Maldonado. Donc ils se sont qualifiés pour la finale et en plus il faut dire qu'ils sont bien vaincus. Donc ils sont favoris aujourd'hui et nous avec Steven, mais là on est prêts. On va montrer aux petits jeunes que mais la tâche de favori n'est pas simple. On est tombé sur une très belle équipe, Roman et Iñaki qui ont très bien joué. Ils ont mis du temps à se mettre dans la partie, mais après ils ont joué très juste. Se nos terminó dando un partido muy difícil. Las finales son para ganarla. También nos jugamos a nuestro mejor nivel, pero le metimos la actitud que hacía falta para ganar. No éramos los favoritos, hemos ganado todos los partidos y quiere decir que estamos a ese nivel, ¿no? Hemos jugado un campeonato muy completo y sobre todo muy contento con haber ganado, pero sobre todo con el juego que hemos disfrutado como pareja.